Nous sommes tous assiégés par les actes violents des criminels. Plus de policiers, plus de prisons et des sentences plus longues n'arrangent rien. Depuis 30 ans, la population carcérale a augmenté de 500%. Les détenus deviennent plus dangereux et davantage préparés à une vie de criminel. Qu'ils soient dans des cellules surpeuplées ou drogués pour les faire taire et les contrôler, le concept de réhabilitation des criminels a été complètement perdu. Ainsi, sur 10 détenus libérés, 7 commettront une autre agression, un autre vol ou même pire. On peut réformer le criminel et rendre à la société des citoyens qui produisent et contribuent grâce à Criminon, qui se voue à réformer et à réhabiliter les criminels. Fondée en 1972, Criminon, qui signifie « pas de crime », forme aujourd'hui un réseau de groupes couvrant le monde entier. Depuis ses débuts, les scientologues ont joué un rôle primordial pour le soutenir et faire utiliser ses programmes dans des prisons de dizaines de pays sur 6 continents. Basé sur les découvertes révolutionnaires de Ron Hubbard, Criminon est le seul programme de réhabilitation des criminels qui résout ce qui a rendu l'individu criminel. Le programme consiste en un plan d'études et en exercices pratiques qui résolvent la source de tout comportement criminel. La perte du respect de soi chez le délinquant. Les détenus remédient à leur ignorance en apprenant comment étudier. Se libèrent de la toxicomanie avec le programme Criminon de désintoxication. Grâce à une instruction personnalisée, ils voient leurs crimes pour ce qu'ils sont. Et ils commencent aussi pour la première fois à en assumer la responsabilité. Élément clé du programme Criminon, le cours du chemin du bonheur remplace le code de conduite criminelle par 21 préceptes basés sur le bon sens qui permettent aux délinquants de retrouver l'estime de lui-même et son amour-propre. Pour toucher tous les détenus, Criminon offre son programme sous forme de cours par correspondance. Ces leçons, dirigées et notées par courrier, par des bénévoles de Criminon, sont à la disposition de tous les détenus dans les prisons, qu'ils soient soumis à un minimum de sécurité ou en isolement. Afin que même les détenus jugés irrécupérables par le système puissent recouvrer leur amour-propre. Des milliers de détenus ont suivi le programme Criminon. Et les résultats obtenus par ceux qui le terminent sont inégalés. Les détenus n'ont plus de problèmes de discipline, sont moins agressifs et communiquent mieux avec les autres détenus, le personnel et leur propre famille. Mais voici la vraie mesure de son succès. Ils recommandent le programme Criminon aux autres prisonniers et répandent le message dans des groupes de cellules, voire des prisons entières. Quand les détenus finissent le programme, ce sont des individus réhabilités qui ont appris à vivre, prêts à réintégrer la société comme citoyens productifs. Pendant plus de 30 ans, Criminon a apporté une contribution à chaque niveau du système de justice pénale. Des programmes pour jeunes délinquants à Los Angeles, une désintoxication des détenus au Mexique et une formation du personnel pénitentiaire en Indonésie. Aux États-Unis, à Taïwan, en France, en Allemagne, en Israël, là où le programme Criminon est fourni, les résultats parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à 80% des diplômés de Criminon ne retournent jamais en prison. Des juges et des officiels ordonnent aux délinquants de faire le programme Criminon au lieu de les incarcérer et réduisent la sentence des diplômés de Criminon. Des États adoptent les principes de Ron Hubbard sur la réforme des criminels comme norme dans leur programme de réhabilitation. Pour la première fois, il est possible de réhabiliter des détenus tous les jours avec le programme Criminon. Un monde sans crime,
peut devenir une réalité. Il ne sera obtenu que grâce au soutien et aux efforts de gens comme vous. Vous pouvez corriger des cours par correspondance, faire partie d'un groupe, diriger des séminaires de prévention du crime ou former un groupe. Vous pouvez aider à mettre fin au crime et à la violence dans nos rues, à rendre aux hommes et aux femmes la dignité, l'intégrité, l'honneur avec lesquels ils ont été créés et bâtir ainsi un monde plus sûr et meilleur pour tous.